La caravane Nouvel An en famille, initiée par le conseiller politique du président de la République, Eloi Nzondo, a poursuivi son périple dans les quartiers PK7 et Tarobar. Partout où il est passé, il a entretenu les populations sur la nécessité de préserver la paix au Gabon. On regarde. Où il est passé récemment, le conseiller politique du président de la République est venu échanger et rassurer les populations du PK7 sur la nécessité de croire en l'aboutissement des réformes et de l'ensemble des projets de développement initié depuis 5 ans par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La période de cette fête de Nouvel An en a été l'occasion propice. Monsieur le conseiller Gervais, nous sommes très heureux de constater que vous ne nous aviez pas oubliés. Votre visite n'est que la manifestation de la reconnaissance et l'estime que vous portez à tous vos semblables. Nous sommes dans un champ politique où chacun dit ce qu'il pense de l'autre. Mais je voudrais attirer votre attention sur deux choses. La première chose, est-ce que vous pensez que si moi j'aime mon enfant, je mettrai mon enfant pour qu'il encaisse une balle? Quel est le père qui peut sacrifier son enfant? Personne. Voilà, comme dit mon père, sauf un sorcier. Est-ce qu'il est normal qu'un papa, il a souffert, a construit sa maison, et que toi, tu le coup de bâton comme ça, tu viens, tu brûles la pauvre maison? Est-ce que toi-même, tu es conscient que tu n'es que jeune, tu n'as même pas encore fait ta vie, tu ne sais pas de quoi sera fait demain? Après le quartier PK7, la caravane s'est rendue à Tarobar. Nous sommes dans le 4e arrondissement de Libreville. Ici, comme ailleurs, l'accueil traduit la relation privilégiée existante depuis une dizaine d'années entre Eloi Nzondo et ses populations. Ça ne nous est jamais arrivé vraiment au 4e arrondissement, plus précisément au littoral, d'avoir une telle manifestation. Vraiment, nous sommes très ravis. Et vous rendrez compte, chef de l'État, et les populations de Tarobar, Ambilambanil, Prosiga, tous ceux qui sont là, sont très contentes. Mais je viens défendre mon chef, parce que les gens disent, on ne mange pas la paix. Mais est-ce que s'il n'y a pas de paix, on peut se retrouver ici comme si tout le monde ici? Qui a vécu les événements de 90? Vous êtes nombreux ici qui avez vécu les événements de 90. Vous êtes nombreux ici qui avez vécu les événements de 93. Et il y a des Gabonais qui disent, plus jamais ça. D'autres quartiers tels que Kingélé recevront la visite de leur fils, celui qu'ils appellent tous affectueux.